Dans quelques instants, ces voitures vont évoluer en équilibre sur le roue sans aucun trucage. À bord de ces voitures, il n'y a aucun contrepoids, aucun sac de sable. Pour les maintenir en équilibre sur le roue, ils peuvent tester leur terrain. Voilà, 15 ans seulement, ils vous servent déjà au passage. C'était une prise de contact. Ces pilotes maintenant vont augmenter la difficulté à chaque Voilà une formation sur une piste assez compliquée, et énormément de coups de bosse, comme vous pouvez le constater. Leur voiture. Et bien voilà un parallèle parfait. Trois générations réunies sur la piste, le grand-père, le fils et le petit-fils. L'action qui va suivre paraît très simple. Et pourtant, elle est très difficile à réaliser. Pour ramasser ce casque, pendant quelques secondes, le pilote se prend les yeux. Pendant quelques secondes, pour un jeune débutant, c'est compliqué. Alors, vous l'encouragez, Sean Vigne, public. Il a seulement 15 ans. Allez, c'est reparti. Allez, Sean, le public vous encourage, la tour va bien, le casque est dans la ligne de mire, il n'y est plus. Et c'est parfait. Une action, très difficile à temps maintenant. Mais c'est déjà une très jolie démonstration à ralenti. C'est important. Il accélère, ça fait tout mettre les équilibres de la voiture. Je dis qu'il y aura une grosse main, c'est de grand forme le dernier. Avec à son actif, des grands sauts de reproduction d'accidents, percussions planelles. C'est un véritable pionnier de la cascade automobile. Et nous avons passé le second encore sur une piste qui est bien compliquée. Thank you.
descend, on lui accélère. Et bien voilà la précision, ça se passe dans la sauterne. Regardez bien l'action qui va suivre. Cette action, on la retrouve. Avec ces voltigeurs qui vous allez. Et bienvenue pour un nouvel projet avec qui vous entourez. Show! Le public, le travail du pilote est énorme. Il doit tout d'abord donner un grand coup de main à droite, renverser la voiture le plus possible immédiatement à gauche pour rattraper l'équilibre de cette voiture et la faire tourner tout en faisant patiner l'embrayage pour garder la motricité, car si les pneumatiques patinent, c'est la chute. C'est assez compliqué. Alexandre se démène pour maintenir cette voiture en équilibre sur le roue. Trois quarts de tour, tour complet. C'est très compliqué sur cette piste. Et pourtant, ce pilote précise de plus en plus cette action. Regardez les temps d'arrêt qu'il marque. C'est exceptionnel sur une piste aussi compliquée. Il rattrape la voiture au dernier moment. Elle est prête à tomber sur les portières. Et hop, il la rattrape. Regardez. Là, le pilote doit trouver le point d'équilibre pour le pas. C'est fait. Moins de 10 pilotes au monde sont capables de faire ça et sur cette liste, vous en avez un. Et regardez, il vous trouve formidable. Et là, on redemande les applaudissements. Alexandre, retour, sans trucage, sur deux doigts. Et sur un doigt. Petit doigt. Je voudrais, s'il vous plaît, un tonnerre d'applaudissements pour Alexandre, retour. Waouh! Il n'est pas très courant de voir un pilote suivi avec une passagère. Hey, Johan! Il n'y a même pas de cette voiture! Ce sont les airbags de la passagère! Je vous disais qu'à la sortie de ces voitures, les airbags n'existaient pas. Laissez ce pilote tranquille et tout devrait très bien se passer. Oh. Eh bien, cette fois, c'est la bonne. Eh bien, public, on pourra venir bien faire cette passagère, car vous avez été très courageuse. Et merci de votre participation. Parfait, notre passagère a regagné sa place. Public, je vous rappelle que dès cet instant, le spectacle reprend son nom.
derrière. Au maximum de la puissance mécanique, vous êtes accéléré au dernier moment. Ça fait peur, madame. Hein, regardez bien l'action, la pression, ça passe tout près du cascadeur. Si vous partiez contre le poids de vos voitures, maximum de la puissance mécanique, vous êtes accéléré au dernier moment. Là, vous pouvez donner.
Winnie Joe, un monster truck de 8 tonnes et 600 chevaux. Winnie Joe a été réalisé par les clips motor show, comme d'ailleurs la plupart des monster trucks qui ce soir vont évoluer sur cette piste. Mais Winnie Joe, lui, a été conçu dans un seul et unique but, celui de présenter des démonstrations sur les roues arrière. C'est la première fois qu'un monster truck a été conçu uniquement pour ce genre de démonstration. Nous avons réalisé... Et c'est parti ! Winnie Joe Witton, 600 chevaux de démonstration sur les roues arrière. Elle est la monster truck en évolution sous les yeux. Alexandre, que même pendant cet entracte, il est formellement interdit de traverser la piste et rester bien derrière ces barrières de sécurité. C'est pour votre sécurité, merci. Car maintenant, pour les personnes qui le désirent, vous pourrez participer à les baptêmes à l'intérieur de Wheeling Show, les baptêmes sur les roues arrière. Les plus jeunes comme les plus âgés peuvent y participer. Il n'y a pas de limite d'âge et il n'y a pas le moindre pour ce baptême. Renseignez-vous auprès de l'hôtesse qui est en bout de piste. Il n'est pas très courant de voir de tels monster trucks sous ses yeux, mais de pouvoir dire à ses amis, moi, je suis monté dans un monster truck cool sur les voies arrière, ce n'est vraiment pas courant. Eh bien, cette fois, vous avez cette possibilité. Montez à l'intérieur de Wheeling Show et traverser cette piste à l'intérieur de ce monster truck sur les voies arrière. Pour ces baptêmes, renseignez-vous auprès de l'hôtesse qui est en bout de piste. Moins secoué à l'intérieur de cette voiture. Voilà, vous êtes prêts, Alexandre, c'est parti! Ça vous a plu, le public? Vous en voulez un autre? Allez, ouvrez grand les yeux. C'est reparti. Oh.
applaudir Alexandre Bertour. Cette équipe fait des premiers des ans avec cette combinaison de parties. Il faut saluer Anthony. Le top est donné, c'est enflammé, la voiture se lance, un saut est censé d'ajouter, ça explose, et ça percute. Et bien tout de suite, on peut applaudir Anthony, notre spécialiste de l'univers. Voilà, ce pilote qui va vous présenter dans quelques instants, c'est mon stuntman, tout d'abord en position de cadrage, et une première démonstration qui sera plutôt basse par rapport à la deuxième.